Komisya miska den pale, li poten verite, sou sakte pase ya. Bien ke, li pa dure person eksplikasyon. Paske suite, avek sa ke l gen amel, komen dis, kom dabitude, bandi tombe, bandi tombe. Metenan, sa ki important pou ke nou, nou di, avek konsey de detrakte. E se kon yam vi n komprenen vreman, yon e pil moun kap pale de gang, kap kritike gang, men moun nan pavle gang na craser pour tout bon c'est comme si m'da jour nèg l'en prend plaisir le e la bail nouvelle tout temps pour dire que li gadon image côté qu'il wè kidnapper ou kidnappe un grand monde y a bouler la avec gomme balène gomme caoutchouc y a maltraité c'est comme si m'da dans quotidien nou nèg sakab bail nouvelle l li envien ça comme programme pour la critiquer toute la journée. Mwen te prentan mwen prensam, jen mwen te di lan, mwen ap gade ki yes, mwen wek ap atake komisyen miskade a bou le rouj. Erezman, miskade di verite a jan liye, men l patan vi fel non, men kom gen de zami ke l gen sou rezo sosyo an, ki relel, ki di l fok li pale, ebe efektiveman li bay verite. Men miskade ba mwen fasilite pou m konpren ap pil moun ki nan gang. Lem di nou nan gang, dans pays d'Haïti, pas à penser, parce que conseil d'attaque attaques Muscade a subi, c'est même Jamdadio, sont pas oui. e est l'homme Pierre Espérance oui, et mais c'est quoi ils ont pas qu'à mettre deux, sont pas contre l'homme Ténélcassi, mais c'est peut-être pas mettre deux parce que je sens si Muscade un, sont sont ça veut dire que automatiquement attaquer ça pour voler la privée, il est clair, et ben dans ce sens-là, Muscade va nous faciliter pour nous comprendre dans quel niveau conseil de monde pourra plaisir

ça la moisson jouille lui-même. Il dit le te parle, de viser nek de kebin en vol le bagay moun, la fise yo, ou elle en moisson joue, kap fise de jeune garçon, kel dit ke, le kebin en vol le bagay moun. Ça la moisson jouille. Koun yon pape je n'en nek di ke, ça la moisson joue à faire, li même tout, li dou pas sa bal tout, non? Mais on a plus ouais que le, commissaire il s'est miskade quoi son nek, la moisson joue, parce que miskade lui-même, l'el quoi son tinek, kap vol téléphone nan nip, ou bien tout le temps de nous a cité nos bagages so,

tu avec vu qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui l'a montré zone, Et puis la zone et qui a fait un envahissement. On va penser que c'est que, le premier jour qu'il est arrivé là. Non, il n'y a pas de premier jour qu'il est arrivé. Ça veut dire que l'heure est venue pour te bourrer dans la zone. On vous garantit que l'idée est de diagnostiquer et de contrôler ce qui est besoin comme matériel, comme médicament, si on le considère comme un problème, comme maladie. Ça veut dire que les conneries qui coûte la vie par place nan nan? Ver, et soldats. Il qui a quelque nous en Qu'est-ce qu'il fait des négociations ne n'envoie pas avec nous le canapé vert. Mon canapé vert. de bravo pour nous contentement et toujours à nous espère pour belle action qui nous été posée pour payer. 23, 24, 25, 26 avril pour arriver 27 avril 2023. Côté que nous avons lancé un mouvement qui est relayé bois calé et qui était résultat qui est que bah, il y a mis la tête chargée dans la mosquée 24 heures de temps, t'as a plus passé 60 à 100 grenades armées qui sont tombées. Dans le canapé seulement, la mosquée 24 heures de temps, le canapé pour vivre toujours, pas et Et début-ci, a environ 41 qui sont tombées. OK 39 et vagabonds, plus deux femmes qui t'ont porté des cartouches, bah, Et puis, ils te proposent ces si machines de pain, gros panier sous la tête,

Monsieur, messieurs, messieurs, vous êtes sous un bel mouvement, vous avez sous des pieds, mouvement, vous frappez, vous avez correct, et bien naturellement, vous avez eu un mesdames, vous pas de correct, et puis vous voyez les mesdames, aller dans même route que vous avez eu 39 autre 39 aller. Muscadet, je n'ai pas de un pas mot pour me remercier, commissaire Muscadet. Et m'apprendre chaque gana ici qui est dans la diaspora pour nous faire le même genre. Parce que honnêtement, si nous n'avons pas de muscade dans le pays d'Haïti, nous ne sais pas si vous avez un pile haïtien qui a perdu espoir sur le pays net. Ça ne veut pas dire ça. Si vous avez un pile de monde aujourd'hui qui voit que Haïti a de l'espoir, ou du moins si vous n'avez pas perdu l'espoir, c'est parce que vous avez un haïtien qui a perdu l'espoir que les muscade, vous avez senti que si le peuple s'est fait pour le premier muscade et a mis un plus haut niveau dans l'État, vous avez eu la possibilité pour Haïti de rentrer dans le pays d'Haïti. OK Pour Muscade et mettez-le dans l'espace pour mettre, Mételle, côté quelqu'un gagne contrôle toute situation, c'est l'ICAP avec l'autre monde qui est en bas, par exemple, les no plastes côté couleurs, c'est très là. Côté Gari Konye, moi je garantis où Muscade a besoin de 3 mois, 3 mois. 120 jours, 120 jours. 6 mois, 6 mois, Jaspo, ça va garantir. Et je garantis la ça Et garantir. Et maintenant, ça, tout ça que vous faites là, les un miscadé seulement. Sauf que Muscade est ville, à nos les sacrifiels pour combattre ça. Il y a plein de gens qui parlent le ki wel, qui t'as besoin que ils le révoquent. Bon, les qui l'agencent contre Saint campé qui le Pierre Espérance, son chef de gang. Mounan est même fait appel avec Pierre Espérance, il a même écrit lettre même pour le faire venir, pour lui faire conférence sur sur dossier d'Ousmane. Mais Mounan est préparé pour aller parler, pour aller parler. Mais Pierre Espérance n'est pas égaré. Il compte à la faire. Les connais pas les mêmes. Les connais pas les personnes qui vont parler. Mais il pas décidé d'aller. Mais le Campe, pas conséquent à voir de là et puis il a fait ça, il fait. Pierre-Espérance a deux autres trois Il a quitté Port-au-Prince, il a rentré Washington. Parce que Pierre-Espérance, son agent, un agent double, qui travaille pour des blancs dans Washington. Et c'est Pierre-Espérance qui a détruit un pile de monde dans le pays. Ça veut dire que au monde qui a dit si papa, depuis fois où Pierre-Espérance vient contre tout un service, il dit qu'on sait qu'il faut qu'on soit en face à tel, qu'on combat tel pour tel, tel ou pas v'le. Pe espens mouton dosye sou, sot an de a wapat bezoun implike nan ranyen nan. Li finon wou, fi li finon kompletman. Me kom, gen apil a isen ki lache. Gen apil juj ke misye atake ki lache. Paske mpa kon ek te ka juj destruksyon. Pon ti si vagabon, on ek sal ta koupi a espirans. Ose atake ou sur le zonde. On se de radion an kapital lan. Ou pa pran décision contre lui. Et c'est là encore une fois une femme qui dit, dans pour y a une force pour le bon ennemi. Parce que vous n'avez pas quatre juge là, Pierre Espérance attaque yo. Parce que tout simplement, vous n'avez pas campé dans camp Pierre Espérance. Moi, je ne suis pas arrêté de Pierre Espérance. Je me dis définitivement, il y a un pile qui lâche dans le pays. juge juge lâche un pile. Parce que si vous ne pas lâche vous savez des désrespects de que Pierre Espérance fait. Il n'y a jamais qu'à faire. OK

dois je pas jamais parler de eux. Après que, quand on a kidnappé sou Matissan depuis plus de trois l'année, on a fait sous bus, sou ti sorti le cap qui en bas, détourné le camion et on a marché pas rapport, soi-disant, droit de ne sortir eux. Ça fait ça. Parce que, y a des éléments qui connaissent des yo la bataille politique. Parce que si Pierre espérance sorti, il y a un rapport sur si le petit appli, quand il a dénoncé si petit a possibilité pour lui mettre un pile de bagages pou eux, pour dire Pierre Espérance met tel bagage, met tel est-ce qu'on va songer est-ce qu'on peut s'y mettre cas-ci Qu'à attaquer les grands villages de Dieu? Il n'est pas capable parce que tout simplement, il y a un pile de choses qui sont fait sans Que naturellement, il n'est pas capable de dénoncer les Par exemple, il y a le Printemps Belizeur. Criminel de Grand chimé. Zami personnel, il l'appelait. Printemps Belizeur. Et je veux dire, Printemps Belizeur n'a pas fait une trois confortable parce que les senti que tu la bien avec barbecue ils ont bien avec barbecue là vienne déranger ça vient déranger parce que faut toujours un groupe gang cap goumen et prendent belizer lui-même. là fait business cartouche parce que printemps belizer monsieur prend un cartouche avec zam en gros non mais ils vendent avec nèg gravine ils vendent avec terre village dieu qu'est-ce qu'ils printemps belizer nèg sdp monde qui fait tout le temps le pouvoir Ariel. là gang criminel de grand chime. Mais par conséquent, nous avons dans nos yeux, nous avons bêtisé avec nous stopp. Et bien, aujourd'hui, qui c'est le 28 septembre 2024, deux jours après l'anniversaire, bien que nous sommes en mode fête toujours, je dis que dit que nous je que l'homme je nous avons dit E m gade intervansyon pil lot moun. A le ya. Tout d'abo m di tet mwen. E pi malprantan m malprantan m pou m dan nou paket lot disko an se prezidant. Prezidant Jovenel, prezidant Mateli. E lou paket lot anko. Je mette a istid sou tribune Nasyon Zuni. M gade nou paket bagay. M di tet mwen kleman. Disko et gale blan son bel disko. Kè son bagay binon d'lo a m bare tel adal. Mais il y a une incohérence là-dedans. Sauf que ça, sa, quelque part, on néglige. Je parle pas pour te kritik. Sauf que je ne dis que c'est normal, oui, je ne dis pas pour critique. Oui, parce que, ou pas que je même discours, ça qu'on a a deux parties, premier partie avec le avec, 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 dernier partie. on frappe bien fort, et puis on même discours, ça encore, Edgar et Blanc-Fils encourager pour que vous transformiez force et multinationale en force et métier de paix de Nations Unies, tel bagaille. Comme si ou encouragez pour que les pays en des militaires étrangers toujours. Pendant que vous avez campé sous des Nations Unies pour faire appel avec la communauté internationale et l'autre pays qui soit disant, de nous, pour que vous ayez aidé nous. joindre l'argent pour acheter des âmes, nous vendre nos âmes. Parce que nous, quand dans la banque centrale, dans la réserve banque centrale, pour nous prendre 100 millions de dollars américains, Justin toujours dit toujours dit « pour nous 100 millions de dollars américains, pour acheter des armes solides, pour mettre dans la police, dans les militaires, pour nous créer des gangs en Haïti. Ça, c'est important pour qu'on fasse ça. OK Nous sommes capables de faire. Mais lorsqu'on campagne de même discours, ou encourage pour pour une pour, pour force multinationale, là, gagner, il y a une incohérence. Mais par conséquent, moi, je négligé ça. Négliger, le Moi, je be, premier parti discours avec le dernier parti discours. Mais estimez que... Alors, je félicite chaque grand ami sous plateforme YouTube Infobetrois. Moi, je l'ai exprimé très bien. Je l'ai dit clairement, e et que moi-même, je n'ai pas l'intention de cette traite. Mais je n'ai pas réagi à Blanc comme monde, sauf que je réagis à comportement politicien. Je n'ai pas voulu que ça soit cette traite-là, mais pour conséquent, mal là déjà là, je suis allé sur tribune de la pas le pour parler Eh tout à l'heure, estimé que je faisais disco. discours. On croit que sont belles son très bel discours. Et intervention, monsieur, on sentit qu'elle traverse ses frontières. Ah oui, je le faire comme ça. Intervention, monsieur, traverse ses frontières. Et on va le prouver nous ça avec une simple intervention. Et alors, déclaration qu'a faite son les médias français. On va le prouver nous ça. Intervention de Blanc, naturellement, traverse ses frontières. Et quand pile parole qu'a parlé, suite, avec des marches que monsieur décide d'entreprendre pour que OK? Et l'important, on avance pour que nous comprenions ce que m'a nous On a le fond de déclaration de journalistes dans les médias français. France, de la France, de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, bah, oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. C'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine qui est à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qu'a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, c'est pas exactement en 1824. C'est en 18, non, 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit, soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dé dédommager les anciens colons. Et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien. Vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après <laughs> la double dette. C'est c'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors la dette a été remboursée par Haïti en 1947. Elle en était 1947. Estimée, 1947. Donc, elle ils est ont mis 120 ans. Exactement. À 21 milliards de dollars, mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dans la France à bénéficier. Donc elle se montrait plus davantage, à 150 voire 200 milliards. Alors c'est pas Radio. la première fois que c'était Haïti oui. a dû ah. payer une dette à la France pour mmh. avoir osé... Alors... Voilà. Déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal, elle est. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire. On ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première république noire, et qui est pas n'importe quelle république euh, noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. <laughs> Haïti, Toussaint Louverture, quand il dit Lit la, lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit « mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté ». Et en faisant la révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la déclaration des droits de l'homme et la révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même pas formidable. rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture, je conseille à tout le monde de lui donner ses airs sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire « vous avez été colonisé. Euh, pendant toutes ces années-là. Donc, maintenant, vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors, même avec les réserves que je peux avoir dans la réécriture historique, ça va quand même. Donc, je pense que quand même, il y a une légitimité. Mais, mais. J'ai deux, mais la première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains, parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque nationale d'Haïti, les ramène aux États-Unis, pose avec, et s'installe à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs, et à son départ, c'est-à-dire au moment, et après, en, en 1934, il part, et jusqu'en 1947, il demande à Haïti de rembourser la dette, que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc eux aussi, ils doivent payer. Il une et la deuxième prix. réserve Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est que Haïti, pour prendre que les 41 dernières années, c'est coup d'État, c'est corruption, euh, c'est euh, des, des, des insurrections, c'est des oh, élections truquées, c'est impossible. Énorme et misère. je crains, et c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. Mmh. C'est-à-dire, à partir du moment où la dette sera remboursée, ah bah tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus, et Haïti mérite. Qu'on se le dise. Exactement. Abnous, notre parti pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, bah oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. Voilà. Et dossier dette de de l'Édouard Deslonds, il y a fait un pile-balle de là. Et c'est pas, pas pour la première fois. ke yon swa dizan dirijan Haïti, ou bien reprezentan Haïti, evoke dosye sa. E ou fen konen ke, an 2004, e, satéj, dosye sa tejon gwo wol nan dechouke Aristide tou. Aske ou fen konen ke, gwe dezoli gak ki tejon sou pou la Frans, pou ou te jwen an pil zam, an pil la jan, pou ou te renfors se batay ke etudiant ap men ave kompaket lot moun, Chaque monde a bataille pour affaire, mais c'est Oligaklari li qui a un vrai objectif, qui s'étaient jeté, je mettrais ici pour gérer les affaires personnelles, et tout rend la France au service. Et ça qui cause, c'est eux même qui a récupéré le pouvoir, il a pris le tête, et une série de franchises tête changée, côté que le pays n'a pas gagné, qu'il a le bénéfice dans le cadre de la bataille, Si on a été connus, puis tout est quitté ici, fait tout ça yo, parce que franchement, finalement, le Darimon côté l'a découragé. Parce que deux coups d'État, franchement, c'est. C'est pays qui subit. Et bien, vous fait mal. Aristide, il de venu au niveau, il vient exagérer. Il a frappé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais au lieu que pour ces oligarches qui viennent contrôler l'État dans la dimension, ça, pour ces blancs qui viennent mettre comme les gaujérales, et pour venir caler les peut-être quitté là. Honnêtement, peut-être quitté. Ok? Vous êtes monsieur que je mette un à suspendre avec la si vous ne pouvez pas de la rue la rue, vous pouvez cas suspendre. Mais au lieu de vous faire un peu de remettre le pouvoir. Et c'est parce que c'est un gros et catastrophique que le leader charismatique fait qui c'est qui Philippe. Ou bataille, ou jetaristide, et pour remettre le pouvoir, avec un conseil collègues corrompus, sous base que vous respectez moi. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça.

nous n'avons pas obligation de mettre tête nous ensemble. Nous n'avons ce pas de choix. Nous ne pouvons de passer par quatre chemins. Nous n'avons pas obligation de mettre tête nous ensemble. Sauf que, conseil du monde, l'Éclair, pas de possibilité pour parler avec vous encore, parce que l'on qu est impliqué dans l'assassinat du président ou pas qu'à dire, moi même pour marcher sous même tabavelle. même dans rêve. Ça l'Éclair. Dans Pelah, c'est qui peut être un parti politique, tout ça, qui pas mes journaux. Pas de problème. C'est normal lui pas patrouiller mes politiques là, mais ça, pas de problème de avec vous. Ou par ce qu'il avalasse qui supporte Aristide dans dans diaspora, a même Josré Maricite, a même la valasse. Mais est-ce que moi je dois gagne problème pour me avec pour Non, on ka problème ensemble avec Jean-Bertrand Aristide qui est impliqué. OK, jusqu'au coup, nous série de bagages, mouvement que fait pour foutre Djovenal, coup d'état. L'âme qui n'a pas n'a pas en chiter avec Aristide, le finit tout. Bon, on on reste avec encore Aristide, qui s'arrête Aristide encore Aristide pas temps pour 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 parler encore. Aristide n'a pas foutre été 10 ans encore. Aristide n'a pas fou te tiré tes 10 ans encore. Parle avec Aristide. Ça ne va pas aller te le moins. Il Ma a pas besoin Ok? Sauf que l'important li pour l'autre jeune qui pensait que eu la valation, pour suspendre, retirer, n'aimer. Ce que Aristide fait, ou a eu cœur. Contre celle où l'autre monde ne déroule pas dans la même partie avec lui, retirer. Ok? Comportement criminel, gang, sans il faut qu'il y retirer. Mais ne crois pas qu'il y retirer, mais il faut qu'il y retirer. Et ça, c'est important. Suite à l'intervention qui fait. faite, sou tribune Nason Zini, sa vin fè ke nou e la ji platform yotou men foubeto kote ke nou vin gong riga tèt chaje sou kontine Afrikan avè konsè de jèn e prezident jèn gason ki pren desten peyo anmen nan kontine Afrikan. Sa vin poussem pou ke mwen gong mkampè sou tèt Bukina Faso mwap gade sa Bukina Beyo apri Glemba. Mwap gade sa e, e, e kapiten Ibrahim Kaori apri Glemba. Sa vin fè mwete nan tèt Niger mwap gade qui sa général Chani, a réglé dans tête Niger. Un gros pays comme ça. Une superficie tête chargée. Ça fait une femme foncale sous tête Mali. pour m'a regardé ça, colonel Goïta, a Glé, dans le pays Mali. Un gros territoire, un espace tête chargée, un espace qui est riche. Ça fait une femme foncale sous tête Sénégal. pour m'a regardé, qui a réglé, comme si, dans le pays. Et moi, je me suis fraîchement fout de sous, sous et Parlement, il s'est Parlement et, et il pour que les reporter date pour le faire l'élection, il pour le de faire l'autre élection. C'est-à-dire que y a des réformes qui faites. Dans le continent africain, il y a un pile de jeunes qui décident de prendre des destin en main. Et l'homme qui, pour moi, représentants pays ça, avec des jeunes qui décident de monter sur la tribune des Nations Unies, qui parlent sans filtre, ça fait une poussée encore une fois, mais costume militaire dans ce monde

Mabdi nou kè, Haiti kapap soti. Haiti genyen, yon Thomas Nkara, me ki petet pap fè politik, li li miskade. Haiti genyen, yon Ibrahim Draoui, ki petet pap fè politik, li nan chen penel la, li li miskade. Haiti genyen, yon Asimi Goita, ki petet pap fè politik, me ki nan chen penel la, non se miskade. Haiti genyen, yon General Chani, ki petet pap fè politik, L'ICMUSCADE, l'ICNUSCADE, li la chaîne pénale. Haïti gagne un vrai Thomas Sankara. L'ILE, Guy Philippe, l'affaire politique, elle s'est leader national. Et il faut le pouvoir Il a une dimension, leader SAO. Et le Guy Philippe, arrive sous tribune. Nations Unies, parole payante, a parlé pendant que action concrète a posé sur le terrain. Et ben même, vous nous ça. Haïti gagne un Ibrahim Traoré en Haïti. Non, c'est Guy Philippe. Sauf au pouvoir peuple à vous commettre. Vous voulez nous dire ça? Haïti gagne un général, alors un colonel, qui est Asimi Goïta. Mais pas nous, c'est Guy Philippe. Haïti, la fait politique, elle faut le pouvoir, et c'est peuple à vous Surtout dans le contexte. Haïti gagne un Sanko. Un Sanko, ou Mbadi Lomaïfay. Un Sanko dans le pays Sénégal, qui est actuellement là, chef du gouvernement. Qui est en Haïti? Non, pas nous, c'est Guy Philippe leaders qui ont dimension tête chargée national qu'international ou vous sentez que guy philippe là il fait poids dans la balance là ça veut dire guy philippe dans le contexte ça que nous trouvons là sans élection Bag ben guy philippe pouvoir et c'est peuple actuellement qu'appelle fait haïti gagne un général Tchani. non le relègue guy philippe et son militaire pour tout bon Ils sont politiciens est ce que nous là? sa liyo chak gen nan nou an avansi Haiti gen yen yon kolonel kirele Mamadi Doumbouya non lese Gifilip nan peyi de Haiti ha ah, gine konakri gen kolonel Mamadi Doumbouya e ben Haiti nou gen Gifilip e Gifilip a feb pouan an balans lan nan menm dimansyon sa Haïti gagne. en a Même j'avec Salvador. Mais non pas non en Général General Guy Philippe. La fait politique. Et fol pour un pouvoir. Et c'est peuple pour baile. Haïti gagne. Leader qui gagne caractère. qui a qui une dimension. Tête chargée. Et ouè souterrain. C'est qu'il y a des monde que le peuple est capable de faire confiance pour, confiance pour le mettre dans le palais national. Parce que vous n'est pas qu'un sauté, c'est le Philippe. Et bien, je vous dis que, Nations, hein, que de la là, dans le tribune de tribunes nationales, que Edgar Leblanc, fils, se passe là-dedans, côté côté là Je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée. OK. L'homme saute tant des discours. Edgar Leblanc, on prend ça plutôt. OK. L'homme saute tant des discours, Edgar Leblanc, fils. Je dis tête clairement et que nous avons une bagaille pour qu'il ne fasse attaquer le peuple. Les ballons. C'est mettre tête nous ensemble pour qu'on sait des de critiques pour nous pas nous en encore et pour ne faire même jamais dire que j'ai Comment dit j'ai Par exemple, pour le pays Mali. Le représentant malien souke tribune Nations Unies. Ah ouais. Le représentant malien fait trembler tribune Nations Unies. Ok représentant pays Mali. Il fait trembler tribune Nations Unies. Représentant Burkina Faso souke, tribune des Nations Unies. Représentant Guinée Conakry Tremblé tribune Nations Unies. Li parle mandé pour faire le cadeau. Et puis tôt, la le pou ke la pou te revadikasyon pal e le pal le ansanman vek dirijan ki nan moun dlan. Ebe m ap di nou ke la m bretam, m bresam pou m ap tende intervensyon dirijan Afrikeyo m di tet mou klerman Et que Haïti a juste besoin de monde qui ont un caractère, qui pourrait vivre dans ce pays, et qui sont capable de poser des actions concrètes dans ce pays. Je dis donc que Haïti est capable de changer. Moi, peut-être ke... que... Alors bien sûr. li pap avèk Edgale Blanfis. Nou kè sou sa. Edgale Blanfis ap pale, men l'paka pou zon aksyon. Nou kon sa. E nou konè koman lato. Se Edgale Blanfis kap ap rive yil kote l'rive ya, nan vanson l'rive ya, nou tou konè. Ki limit li. Ok? Li ke limit li. Men nou men, nou dwe metè demoun solib. Non salman qui pourra aller sur la tribune des Nations Unies, qui pourra aller parler par là. Mais tout. Dans le pays, chaque fois qu'on dit qu'on pourra aller sur la tribune des Nations Unies, chaque fois qu'on dit qu'on sera sur tribune des Nations Unies, on ne pourra pas aller au pays d'Affel. Par exemple, regardez e, pour les ministres si israéliens hein, qui mi sont venus à Métanyahou, pendant que je suis sur la tribune des Nations Unies, je n'ai elle dit le pap camper, sous frappe que la balle gazayo. Le pap suspend frappe. Et Mais pendant la paléon. Alors, les le fin Tribune nationale. Le fin fait quelques minutes. Et puis automatiquement le ballon l'ode. Pour frapper. Elle dit que le pap kampe. Le joli. Et le derrière. Mais nous même, ce n'est pas la guerre que nous avons la kaye Nous nou juste besoin un dirigeant arrive sous tribune Nations Unies. Et puis pour le camper, pour le dire clairement, la médaille qui a ka camper, Goumen contre gang Et la médaille qui a pral, éradique gang yo. bezwen, yon. Moué besoin, un dirigeant, haïtien vient camper pour gérer ça pour nous. Ok? besoin dirigeant haïtien pour une camper pour dire ça. Et puis dans le pays d'Haïti, c'est ça qu'a fait même comme action. Et c'est ça qui est important pour nous. OK Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de monde qui a fini et qui a et par la suite qui a fait le contraire. Non, pardon. Nous besoin de monde qui a dit bagaille et qui a fait le cause. Je disons dis, nous, belle tribune ça. la place, Gadi le blanc. Son acteur un Philippe qui te doit parler. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas que le Leblanc blanc n'a pas... Comme si galbe a toujours fait un discours. Mais, Edgar Leblanc a fait un discours. Mais dans le pays d'Haïti, il faut que vous avez l'action qui a posé. Messieurs, dames, alors pensez que c'est capable Haïti pas capable? L'État pays d'Haïti n'est pas capable de camper pour que l'État débloque le canarans dans 2 trois jours. Vous pensez que l'État n'est pas capable? Ou pensez que l'État n'est pas capable dans deux ou trois jours pour débloquer la Tibonite? Ou pensez que c'est l'État pas capable? Il m'a dit ça très bien. Par une pièce étrangère qui ont de ça qui passe là. Il m'a dit. États-Unis, ça ne pas mis dans rien pour les choses dans le pays d'Haïti. Question nègre, comment les gangs tout de trois personnes. Écoutez, si les États-Unis sont capables de supporter Israël avec un pile missile et de sécuriser l'espace sous la mer en Israël, ils façon pour pièce que notre pays pas pas d'attaquer Israël, ça veut dire que les capables supporter Israël avec ZAM.

la Russie, la Suisse, la Chine, ou pensez comme si ça avez passé dans le pays d'Haïti. Hein? faites ni ni il pas déranger dans rien, parce que monde s'est habitué avec ça. Même ça, moi, qui passe Palestine là, ce n'est pas grave. Israël crase Palestine net. Ok? Israël crase Palestine net. Et détruit la ville complètement. Alors nous, même nous camper, nous avons des volets, comme si nous avons kidnappé, nous violer et puis pour la police, nous avons mis des dans Manger ça ou fini Pour la police, pas quand même gnana d'elle, chercher mon cap 24 chansons, fuser ou le fini Non. Et bien, c'est blanc. C'est blanc. Blanc vous blanc, ne blanc voyez pour. Blab, vous qui est conditionné. Qui n'a l'avantage d'avantage, qui vient consolider l'espace là pour lui, pour jouer de ça qu'elle besoin. Parce que ça a besoin de Haïti, sous Haïti. Il va jouer Les États-Unis perdent un pile de monde dans le monde en Corona. Ils ont besoin de pile de monde qui peut travailler. Ils ont besoin de pile d'autres monde. Pile 109. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé Le problème migratoire. Le monde. Etats-Unis, ouvert les le li légalement, bail ont quantité mille haïtiens rentrés, ont quantité de Cuba rentrés, quantité de Venezuela rentrés, quantité, et comment comme l'autre qui a donné, la Dominicaine va la, la, la donner. Et c'est une frustration pour la Dominicaine. Ok? Si la Dominicane était rentrée dans le tout, et c'est la Dominique a chargée. Ok? C'est la Dominique a été chargée. Et je dis que, c'est nous qu'en Haïti, c'est le seul Haïtien qui est capable de et c'est Haïtien même qui doit Le Dis-quoi Edgar Leblanc est capable de toujours plusieurs personnes qui ont approché de lui. Au les gens qui a venu le critiquer, sinon ils ne doivent pas Ou pas qu'à jouer, les pas les peuvent qui le Mais moi-même, personnellement, tout le monde connaît que je ne suis pas dans Edgar Leblanc, je ne suis pas dans Côle-Set-Tête, mais par conséquent, je félicite pour dis-quoi Est-ce que c'est est pour la première fois N'apporte des belles discours. Non. Bon, même depuis le début, je joue. M. F. fait des discours ça. Un gros fou qui se nourrit sur les émissions, tête chargée, n'importe quoi n'ya. Goûte des discours abondants des. En vérité, mon Dieu. On dit waouh. pas grand sur politique, mais ça poussait mon courage, en plus jeune qui n'a pas, qui n'a générationnellement, pour nous faire politique, parce que gaine d'espace, non modelant, qui a, qui qui a, qui a baïmet au visible, sous-payé ou et qui pays fait payer aux jeunes série de support, tête chargée, tout, parce qu'ils ont besoin de support. Ok ? Goun diskou, moun mè eksplike nou bagay ki te fèt an 2023. An 2023, la yon soume ki tap fèt e nan peyi e, nan peyi la Ouissi. Ok ? Nan soume Ouissou, Afrika. Ok ? nan somer Rousseau Afrika. E men map di nou ke, Kapitan Ibrahim Draori, mi se pren deklarasyon, mi se pren la parol alor, devan, devan Vladimir Poutine. Monsye tremble espase la, monsye pale an tanke gason kanson, e se diskou monsye an, Kibrel Felt Vadim Boutin, gon fiksasyon sou lider sa ki se Ibrahim Draore, e mande lon tete a tete pa la suite, e Kibrel Felt fwe fè vre kooperasyon avek Bokina Faso. Ban nou tan de diskou a, pou m fè nou kompren lò se lider, ou pa ganyen pou pèr, Mais c'est diversité, pas passer par quatre chemins. Mais c'est estimé qu'on n'a pas quatre dirigeants africains qui sont vicieux, qui s'en honte, qui mettent en balai ben l'Occident sans que ne vont pas gagner, Il ne vont pas rentrer en retour, sauf que c'est bail à baye. En entendant les discours qui été faits en 2023 dans le pays de la Russie, dans ville et, et Moscou. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc, de prendre la parole ici et de vous passer donc, le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès de, des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. L'Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarade, j'ai quelques questions donc de ma génération, Ni une question qu'on se pose. Très bien. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. Oui. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations sont, se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, mm -hmm. avec une nature généreuse, yeah. de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Mm -hmm. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chefs d'État traverse donc le monde à mendier? Oui, Voici des questions Gaïkoni. que nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Mm -hmm. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations, et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Voilà. Mmh. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte... Des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Thiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mmh. mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, milice. en nous traitant donc d'hommes de, de, qui ne respectent pas les droits de l'homme. Mm -hmm. De quels droits de l'homme parle t uh -huh. Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Mm -hmm. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Très bien. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci, camarades. Voilà. Gloire à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincons. C'est le même définitivement qui devise et, et, et pays des hommes intègres, qui c'est Burkina Faso, pays de Thomas Sankara. Eh bien, ces citoyen, ça, jeune capitaine, ça, actuellement là, qui peut-être dans 36 ans, 36 ans euh, mais 36 ans, euh, mais monsieur qui 36 ans, kounia, monsieur te, le ça, monsieur qui fait coup d'état, 30 Oktobre 2022 Misi tri fapi for E meten nan Je mdi lan Pou ke nou men matak ya isyen nou konen ke Gan pil baga ki nou kapap fe Nivo angajmen responsabilite nan Fok nou pran Nan san sa map di nou ke Nou Nou dwe Ralon seye de disko pou Pou nou pemet ke Ou kompren Nan ki dimensyon Ke ou men kom pep ou gon pouvoa quoi bêtise à velle parce m'a dit nous ça très bien ça qui a passé dans le continent africain pour le moment c'est exactement quand le qui présentent la dans le pays d'haïti nous parlons des discours de galeblan fils là même vleur tout d'abord ce qui est ça son ces des discours maman à que jeune dirigeant africain fait j'aime te dire là bon re à discours Chef diplomatique pays Mali. pas hein? Mali, gagné comme chef de l'État, colonel Goïta. chef de la transition, chef de l'État, OK, ce qui vient de passer comme général en chef meilleur pour le moment, commandant en chef meilleur. et c'est Negsao qui a géré le pays en Afrique pour le moment. Il y coalition tête chargée qui va sauter à l'Occident. Vous décidez décider de mettre la France de la CAIO. Et ça qu'accepter pour la France qui était la Calian, la France n'a pas de droit du tout pour vous boucher les affaires politiques pays. Ou est que l'ambassade américaine a fait en Haïti, On l'ambassade américaine après pris les toute radio a fait la politique, il qui a une propre radio pour les pour faire comme si on l'opinion l'opinion dans les affaires politiques, ou ouais, l'ambassade américaine, ou diplomate, ou est y a des pays. français, ou l'ambassade canadienne. Et après le poubelles à vie dans les affaires politiques pays non. Si sont politiques qui viennent pas de problème mais si sont diplomatiques on diplomatiques qui viennent ou les limites automatiquement et puis au futur de un pays Haïti après respect Haïti quand même sans qu'on ne n'embêter avec personne mais il a fait respecter est-ce qu'on fait des pays on a des jeunes 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 qui sont tribunes de la États-Unis et qui parlent qui choisit. Tu vois ça Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Gasson, gasson, nous allons le temps de causer. Nous allons le temps de. nous parlons le temps de discours correct. Nous ne devons pas non. Nous allons le temps de. Comment c'est pas de vous voulez Monsieur le Président de l'Assemblée Générale. Très bien. Excellences. Mesdames et Messieurs, mm -hmm. Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Très bien. c'est pour moi un grand honneur de vous adresser les salutations cordiales de Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, Très et bien. également au nom de l'ensemble du peuple malien. Très bien. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de Son Excellence, le général de brigade Abdourahman Chani. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée générale. Très bien. Avant tout propos, je voudrais renouveler la compassion des autorités et du peuple du Mali aux autorités et au peuple du Maroc, de la Libye, de la Turquie et de la Syrie suite aux catastrophes naturelles qui ont endeuillé ces pays frères. Monsieur le Président, la paix et la sécurité restent la priorité des populations du Mali et du Sahel, après plus d'une décennie de violences aux conséquences particulièrement dévastatrices. Pourtant, cette région était connue comme un havre de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés qui la composent. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Mmh. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, continue en toute impunité ses manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des trois frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ces interventions intempestives et illégales

Prend le contrôle du pays et puis faire grèce, cochon, cuit, cochon. Préparez-vous davantage pour une équipe de communication, qui parle avec le peuple de temps en temps, pas quitter n'importe média avec les n'importe information dans la pays d'Haïti, contrôlez toutes cellules de communication, et puis définitivement, dans deux ans, pour que le peuple comprenne nous, et pour le peuple lui-même, il y une maturité politique pour que soit capable de gérer ces situations, que soit mettre, le de pays. Parce que le conseil de ne le faire là. Là, bon, bon, Gouverner est pas le principe surtout. Et clair, là ça, sous baguette en préparer, sous baguette en faire du casse politique pour. C'est peuple qui veulent pas faire manger ou gens que et comme les li, 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 Libyens, te finis avec et e, 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 général et comme e, e en Corée et général Kaddafi. Ils ont pas trouvé que sous baguette est chargé de guerres, mais pas conséquent, ou pas besoin d'aller avec Moon, mais tout pays besoin que ou même on fait propre fort. Parce que qui intéresse quelqu'un et de développer la Caire. C'est Haïti pour développer Haïti. Haïti pas problème. Nous avons un problème haïtien. Nous avons un problème en qui sont en fait pour nous sortir de ça. Moi, par exemple, je prends M. ça comme modèle. Jeune Africain, qui décide de prendre des pays en main pou la suspend, yo. Yo pour la France suspendre, dominer, il n'y a pas de plein pour la France encore. Mais il fout la France dehors eux. Il prend des ste en main. Il décide de faire coopération avec la Chine, la Russie, avec un de pays qui estime bon est bon pour eux. Mais est-ce que les États-Unis non. Pour qu'il n'a pas la France de pardon. Mais, gagné, comme si gagné un ambassadeur américain, oui, que Joe Biden même voyait l'autre bois, oui. OK. Président, que n'a pas regardé sur l'écran là, qui c'est Ibrahim Traoré lui a accepté recevoir l'aide de créance ambassadeur des États-Unis d'Amérique, oui. Mais, par conséquent, etats unis te critiquer coup d'état monsieur. Nations Unies te critiquer coup d'état monsieur. Mais est-ce que ça fait que Nations Unies pas pour monsieur venir vin, venir venir discours dans la 79e Assemblée générale de Nations Unies. Oui, il vient. Et là il vient tout le monde tout le monde pas yo de yo. Ça veut dire que pas fait un yon bagay la kayou. Papa fait, fait la kayou depuis la boup pou pè depuis les États-Unis suspendu président. On nous un sacrifice pour nous sortir Haïti là parce que c'est nous comme Haïtiens qui a retiré Haïti dans sa clé nouvelle-là. On nous met nos le fond passement de soi. On nous met l'hypocrisie nou de côté. On nous met le gonou de côté. On nous retire gonou devant tête. nous fait un bagaille pour Haïti. Je veux nous tendre Monsieur ça avec un pile intérêt parce que nous motive motivés. Nous sommes sûr qu'il y a un Et Il y a source motivation vraiment. Dans avons un temps ça ça. Parce que nous estimons que c'est important qui a fait dans le pays. Non, seulement je vais venir avec, je vais préparer avec un pile d'image, parce que nous devons avoir une image pour nous causer. En nous chef de diplomatie pays malien, sous tribune nations, dans le 79e Assemblée Générale, Nations Unies dans la de New York. En tout cas. Empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idée, il est regrettable que le même pays, la France, est euh, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Monsieur le Président. Le Mali est conscient du fait que l'action militaire seule ne suffit pas pour enrayer de manière durable les défis complexes liés au terrorisme et à certaines problématiques de la gouvernance du pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est doté d'une stratégie intégrée qui comprend les réformes politiques et institutionnelles, le volet développement, la prise en compte des préoccupations spécifiques de la jeunesse, des femmes y compris l'emploi et leur représentation dans les, dans les instances de décision au niveau local et national. Pour créer les conditions permettant de réaliser les aspirations profondes des populations maliennes au changement, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de l'État. Participe de cette dynamique, l'organisation réussit le 18 juin 2023. Du référendum sur la nouvelle constitution du Mali, adopté à plus de 96%. Très bien. Hmm. Sa promulgation par le chef de l'État le 22 juillet. entendez de... bien, oui? Mali qui t'a fait référendum, né. population participée, plus de 96%, ok? À, à plus de 96% voix. Ça veut dire que vote démocratique, la population dit oui, majorité en dit oui, et que vous voulez changer la constitution Mali. Eh bien, c'est ça qui cause? Eh ben le colonel a aussi une capacité te dans le pays de Mali, toujours, comme président de la transition, chef de l'État. Parce que, définitivement, il a un pouvoir solide là. Et le peuple, comme si c'était une ville, même Jean, le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas train de se le peuple est le peuple est un et il nous dit presque à l'unanimité. Et bien, définitivement, monsieur, vous ne pouvez pas contrôler le pays. C'est un gros pays qui tape gaspillé, oui. La France a bêtisé, ils mettent là. On ne s'en rend pas

Le gouvernement donne le gage d'une volonté réelle pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, y compris l'organisation dans les tout prochains mois des élections générales. Monsieur le Président, après dix ans de présence dans mon pays, la réponse internationale aux défis sécuritaires du Mali n'a pas été à la hauteur des menaces. Les attentes des populations maliennes même fois exprimées par les autorités, ont ainsi été souvent ignorées. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire, en dépit cependant des moyens importants investis en elle ces dix dernières années. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. L'insécurité qui était cantonnée dans les régions du nord du Mali au moment du déploiement de la mission des Nations Unies en 2013 a atteint les régions du centre et du sud. Cette propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur le terrain par les forces armées maliennes malgré les défis inhérents à ce type d'opération. En dépit des difficultés rencontrées par l'aménissement, dues à l'inadaptation de la mission au contexte sécuritaire, à savoir le maintien de la paix dans un environnement où il n'y a pas de paix à maintenir, le gouvernement du Mali s'était accommodé cependant de la présence passive de la mission. Cependant, il était devenu inacceptable pour le gouvernement du Mali de laisser l'aménissement continuer à devenir partie du problème, en aggravant les tensions entre nos communautés à travers l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et servant ainsi des agendas extérieurs de pays hostiles au Mali. C'est ainsi qu'après une évaluation exhaustive, le gouvernement du Mali a demandé en juin 2023 le retrait sans délai de l'aménissement et nous sommes heureux que le Conseil de sécurité des Nations unies ait accédé à notre requête. Le gouvernement du Mali travaille avec l'amunissement en vue de son retrait ordonné, coordonné et sécurisé, et c'est dans le délai imparti du 31 décembre 2023. Conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2690, adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité le gouvernement de la République du Mali n'envisage pas de proroger ce délai. Mmh. Le gouvernement rassure les populations maliennes et la communauté internationale que toutes les dispositions sont prises pour, pour assurer la continuité des services de l'État après le départ de l'aménissement. La première phase du processus de retrait s'est achevée et la seconde phase est déjà engagée. Certes, l'aménissement n'a pas été capable de remplir son mandat, mais le gouvernement et le peuple malien restent reconnaissants pour les efforts et les sacrifices consentis durant les dix dernières années au Mali. Ah bien. Je rends ici hommage à la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères tombées au champ d'honneur au Mali. Pour autant, le retrait de l'amunissement ne signifie pas la fin de la coopération entre le Mali et l'Organisation des Nations Unies. Bien au contraire, mon pays tient à son appartenance à l'ONU et le gouvernement reste engagé en faveur des principes et des nobles idéaux de la charte. De même, le Mali, le Mali renouvelle son engagement à coopérer avec l'ensemble des États du monde qui le souhaitent et qui respectent les principes fondamentaux de la politique extérieure de mon pays. Très bien. Dans une dynamique d'appropriation nationale, le gouvernement s'attelle à poursuivre la mise en œuvre efficiente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avec nos frères des mouvements signataires qui le souhaitent. Nous nous réjouissons du chemin parcouru depuis la signature de cet accord en 2015, y compris l'adoption de la nouvelle constitution qui prend en charge plusieurs dispositions de l'accord. Et le gouvernement a décidé de privilégier désormais le dialogue intermalien pour la poursuite du processus de paix avec les groupes signataires. Le gouvernement est conscient des défis qui jalonnent le chemin vers la paix, à l'instar de la série macabre d'attaques terroristes perpétrées sans discernement contre les populations civiles, les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. L'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem entre le 7 et le 12 septembre dernier illustrent la cruauté de ces groupes terroristes et criminels en bande organisée qui agressent lâchement des cibles comme les femmes et les enfants. Très bien. Au nom du chef... jom di lan, lom gade mwe, chak neg ki vini, alo, -al -al deklarasyon gari koni, e fe nan plizier media, padan ke li New York, li pale nan, e radio gari pe ponchal lan, li pale nan, mikwo, e, e, e vewa kriol, tout sa gari koni abdou, la palo de, supo ki la pcheche, la pcheche tel bagay, sa vede ke mpa we gari koni, comme si guin un qui développait la qualité côté que monsieur pral du comme pral fait comme si pays naturellement parce que tout pays qui ressources monsieur c'est chercher la chercher mais nous n'avons pas décidé de produire rien du tout et puis moi jeune dirigeant africain ça yo j'ai décidé moi-même il va venir chercher dans le même monde mais vous venir du stop avec l'ingérence. gérant yo venir du stop avec bouche froid dans dans, dans, dans dans le dossier politique yo stap avec question bagaille Edouard Ba tout temps ils ont dit eux-mêmes, ils prenaient cet pays en main. Ils ont dit eux pendant qu'ils sont prêts à être les mouvements. Ils ont fait coopération, gagnant-gagnant à m'a niveau. Même gens, gon ce mec s'est fait là, ça pour quoi gagner de semaines maintenant? le pays la Chine, ils ont fait sommet China Afrique. Eh ben, le Mali seulement. Pas oublier, où ou Brizet Mali a parlé là? Le Mali seulement sauté avec 25 milliards de dollars américains d'investissement. Investissement direct. Ça veut dire que les Chinois viennent l'autre bois, investir l'argent ça. Gouvernement chinois même, quand il fait l'infrastructure routière, un pile gros bagages. ça veut dire que ces so, pas tête chargée. Formation pour les Maliens, l'école technique, il y a un pile dans le pays. Ça veut dire que c'est de c'est vraie coopération Mais on est même là toujours on des 150 millions de dollars américains aide pour manger. Qui qui quelqu'un quelque lait Nous j'aimo pas de d'Haïti pour recevoir aide aide ceci aide cela aide cela bas comme si ça au fait avec nous. Ça utile nous peuple a touche toujours toujou retenu le e, e, grand. Mais par conséquent que ça ne pas dire comme ça que nous besoin support ou bien nous nou, nou faisons peut coopération avec la Chine côté que la Chine va supporter nous-mêmes en tant dans la production nationale. Les États-Unis, la ont l'argent. la ont 150 millions d'Américains qui pour manger. Non. Ils ont l'aide d'investir dans la tibonite pour nous planter du riz à pito. Du riz à pito dans 3-4 mois. Et mes paysans eux-mêmes, ils ont besoin du riz à manger. Mais ce n'est pas après. Vieux bateau du riz, gonflé tout le journée, spaghetti l'huile, tout le bagaille, venir renseigner dans le pays. Et après, ça peut être là où non avons besoin Machine agricole et de nous quitter le canal pour nous jeuner de l'eau, okay? et de nous protéger l'environnement, nou, former un pilage pour nous, garder l'environnemental pour nous gagner, achemper ça pour nous, et de nous équiper avec des matériels solides. Conséquent, nous penser que la bon pour nous. Mais par conséquent, nous ne pouvons pas arrêter de parler toute journée. Et ça qui cause, Ma suspendre pouvons parler politique avec qui nous Ah ouais Seule politique que nous avons parlé, de comment nous capable capables de faire pour que Philippe prenne le pays, période. Comment à travers les élections et que nous sommes capables de mettre un gouvernement solide avec des gens qui sont solides? Période. Comment pour un groupe de qui sont tous les présidents Jovenel Moïse pour parler dans la rue, oui, pour yon arrêter? Il y a que, en mai 2025, nous hmm, ne pouvons pas dire plus pour le moment. En avance. Ça veut dire que, ce que vous là, c'est pour jouer de clé. C'est des jeunes garçons qui prennent responsabilité, yon, mais qui parlent en parole sans filtre devant Dieu, le monde entier. Même maman Peba. Elle est pour nous. Parce que nous avons commencé à tendre Il faut que nous tendions. Parce que je dis ça très bien. Pas quitter nous en Afrique. Depuis nous quitté nous en Afrique, l'autre semaine, même ma bille m'a changé. Nous quitté nous en Afrique, même ma bille m'a changé. Il faut que nous changions nos comportements comme haïtiens. Suspendre, La critiquer l'autre, mais prendre des stènes en main. À nous disons que tout nous pas bons Automatiquement, nous tous contribuons dans ce pays-là. Eh bien, je dis, nous avons tous décidé pour nous retirer du pays. La. Et c'est ça qui est important pour nous. Lavalas Laden, PHT Kaladen, Jovenel Isladen, tout nous, Jovalie Isladen, nous, tous nous contribuons à mettre Haïti là. Eh bien, nous, nous avons a le fait que nous, sommes tous responsables, en ne font dépassement de soi. Eh bien, c'est ça, africains ont décidé de faire. Entendez-vous représentant maintenant, Burkina Faso, chef de diplomatie Burkina Faso, hein, qui de parler, non, non, jeune capitaine que nous avons gardé sur l'écran. Qui se capitaine Ibrahim Draoré, entendez, chef de diplomatie burkinabéen. Président de la transition, chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable. À travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice, je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Emerick Lumumba du Congo, Modibo Keita du Mali, uh -huh. Ruben Uniobe et Félix Moumier du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine. Martin Luther King et Martin X des États-Unis, d'Amérique. Mm -hmm. Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Très bien. Jumo Kenyatta du Kenya. Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert. Très bien. Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville. Le capitaine Noël Isodore Thomas Sankara du Burkina Faso. Burkina Faso. Etc. etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente. Et d'autres. Assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements, uh -huh. leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vraies plaies qui gangrènent notre vivre ensemble. Et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Son Excellence Monsieur Joe Biden, président des États-Unis. Son Excellence Monsieur Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Élu président de la 78 e session de l'Assemblée générale. Son Excellence monsieur Louis Inácio Lula de da Silva, mm -hmm. président de la République fédérative du Brésil. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite Nous sommes dans un monde sans dessus dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. Pour la deuxième personnalité, je cite, Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune à savoir, léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. Fin de citation. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons à défaut de les éradiquer, les améniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent, au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la Charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, L'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voies ont été fauchées. Des milliers de vies, donc, ont été fauchées. Pour badigeonner nos consciences de tranquillité, Transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnée. Ça bien oui. Monsieur, nous même La pale de diskou, 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 Edgar Leblanc, fils, fon diskou, men ki bourre avèk enkoerans t'la dèl, pòske, diskou Edgar Leblanc, di bon diskou, oui. men sel sa, kom si m patponsè, misè, lè wal metè, misè patponsè, mèm te soubè, palè, mèm te soubè, palè, mèm te soubè, mèm te soubè, mèm te soubè, mèm te soubè, mèm te soubè,

En la saccageant et tuant son guide avant que les autres déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970 et le silence coupable voit la complicité de la CDAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention avec la France de Nicolas Sarkozy en tête a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi. Le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger, ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignes sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre le tra la traite négrière et le néocolonialisme, ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent mmh. le Niger, telle une boule de coton à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge et honté d'État en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comoriens, guinéens guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables, des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs. État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, et ont déversé toute forte charge de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes engagées comme volontaires dont certains pilotes même des chars sont félicitées et traitées de patriotes. Le Mali, mmh. le Niger mmh. et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout acabit, c'est ma terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations unies avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué. À cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formés et encadrés par les FDS, sont appelés des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux, qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires. En vue de protéger leur vie et leur bien, ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honte d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terroristes, il ne perdurera point. De sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui. La CDAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CDAO n'a pu débourser que 25 millions, euh, de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'air aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées. Par des personnages de couloirs présidentiels africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Acra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions, de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle. Et la défense du territoire. Nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur, un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment. Nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisée par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Elysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple. Et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, uh -huh. des mensonges et d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées Voilée. pour nous indiquer des partenaires à fréquenter uh -huh. et des conduites à tenir. Nous disons non. non. Au nom de des Nations Unies uh -huh. et du droit international que vous évoquez tous et toutes oui. ici à cette tribune, les peuples africains en général, et les en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que nous, vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel... Nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc. avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Mm -hmm. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qu est qui est les finance en permanence? <laughs> qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nord de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des de des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement. La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a juste la pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juin 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km, et 54 États n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto, n'est-ce pas là, au-delà un crime d'État un crime onusien. Mm -hmm. Donc, halte aux mentions diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au mandat actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect de droits humains à géométrie variable pour les terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron et qui frise souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé. Au peuple français, jamais. il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Tout. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pire de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle. L'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les deux guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre, confère livre de Bakary camion, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des deux guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Qu il se confère donc aux sources Henri Léger, Rouge et Roat, rapport de fin de mission à Dakar, le 13 juin 1950, archive du Sénégal, code 4D68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, l'Afrique a été pillée, j'ai parlé de matières premières, j'aurais dû parler des hommes, pendant des siècles, on vous a exploité humainement, on a volé vos hommes vos femmes, vos enfants, on s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris. Au travers des siècles derniers fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, mm -hmm. en valeur et en richesses minières. Pour preuve, parlant de ces ressources minières, l'Afrique c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55%. Pour cent des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore non. besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que. L'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie ça ça. de 347 000 km, face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km. Deuxièmement, <laughs> la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km, face au Gabon, qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km. Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km, face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km. C'est fort de tout ce qui précède que justement Aimé Césaire, père à son âme, disait, je cite, l'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique... C'est d'avoir rencontré la France. La France. Mmh. Certes, que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Très je bien. Le Il ne sera pas question d'homosexualité en chelue. Afrique. Monsieur le Président, bien. qui vient d'être. Ça nous permet de voir les garçons à garçons, comme hein? avec femmes côté le voulaient. Ils ont dit en Afrique qu'ils n'étaient pas dans ça du tout. Ils n'étaient pas v'lé du tout là-bas. Ils étaient sous tribune dans ce pays-là. Ils ont dit que c'était clair. Fogging green. Entendez. Ce qui est écrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2 000 milliards de dollars US dans l'armement, 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier. L'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la COVID-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité. Leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, uh -huh. la couverture des tripatillages constitutionnels uh -huh. avec leur lot de crimes, uh -huh. la promotion de la mauvaise gouvernance, uh -huh. le pillage, la désorganisation sociale uh -huh. et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront elles mêmes Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges et honté d'État, uh -huh. au crime organisé, au tripatouillage constitutionnel uh -huh. et à la fabrication de l'arbin uh -huh. à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. Ah aïe, aïe, aïe. C'est ça. En Haïti, nous quitter neuf nègres, mettons ensemble pour pouvoir des téléphones ou même comme peuple pour être En, en Haïti, nous quitterons un premier ministre qui fait 12 ans que nous sommes en pays. Comme si nous avions venir comme premier ministre, comme chef de pays, à c'est ou qu'il est passé. En Afrique, du n'y pas fait ça Il y a foutu le coup d'État. Il y a foutu prendre le pouvoir. Et c'est le peuple qui prend le pouvoir. Pas qu'il pas ait quelqu'un qui prend le Haïti, mon cher. C'est comme si c'était le monde qui a pris Le monde qui a pris le pouvoir. si c'est le si l'oni est impliqué dans ça, comme si c'est le pouvoir dans le pays qui a fait si c'est ça qu'il a fait le peuple, il connaît. Et puis, de fait, il dit même l'oni épanier donc ou d'état oui mais il va dans la même son exemple il prend d'ailleurs ok ça veut dire que je veux dire faut que nous comprenions ça que c'est là je veux dire c'est intérêt c'est protéger tête tout c'est la caillou parce que tout le monde a goûté pour la caillou plus belle mon sao papa men il a décidé de prendre des stayons à main fois ça bravo avec frère nous africain. nous yon même ça fait plaisir bon vous reprenez parti ça c'est intéressant pour moi leur manque de sincérité leur décision clientéliste et à géométrie variable la couverture des tripatuages constitutionnels uh -huh. avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, uh -huh. au mensonges et hantées d'État, au oui. crime organisé, aux, aux tripatriage constitutionnels, et à la fabrication de l'arbin, à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'état. Très bien. À bon entendeur. Salut. Dans ce sens. oui. <laughs> dans ce sens. Et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'AES est une architecture. Pour la sécurisation de nos pays, partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma. Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnelle. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté. Dans une haute et intelligible voix, que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs violeur de constitution, car étranger au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme La réponse assurément est non, au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humiliée. Placés sous contrôle dominé, des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapine au terrorisme malicieusement fabriqué, entretenu et injecté dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis. Ici même, est-ce <laughs> cela la démocratie et il se trouve des partisans de cette conception étriquée de la liberté pour justifier intellectuellement l'asservissement et la barbarie contre nos peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Oh, liberté, quel crime n'a-t-on pas commis en ton nom C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui veulent du bien au point de nous menacer de guerre pour imposer <laughs> leur amitié. Uh -huh. Nous adapterons notre démocratie tant brandie uh -huh. et chantée par des loups dans des pots de bélier, par nous-mêmes, le leadership politique adéquat pour nos peuples en vue de leur bonheur. Oui, l'émancipation totale et le progrès social véritable pour nos peuples constituent la finalité de toute action, qu'elle soit politique, économique, socioculturelle et ou sécuritaire. Troisièmement, les peuples africains en général et ceux sahéliens en particulier ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socioculturelle, culturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont entre autres, premièrement, la dette coloniale. Nous n'avons pas fermé, nous n'allons pas fermer les yeux et la payer tout en laissant nos populations mourir de faim et de soif et mmh. voir de maladie. Deuxièmement, la question de la monnaie dont le franc CFA, appelé franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une priorité africaine. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, confère article 544 du Code civil français chez eux-mêmes. Un brevet est, de, est donc détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA. Et elle a aux États francophones africains. Ce qui est marrant en plus est que le biais produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale en valeur monétaire sous la même appellation France CFA. Le seul document reconnaissant le France CFA est le décret numéro 45-0136 de 26 décembre 1945 dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Pleven, ministre des Finances, et Jacques Soustelle, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics s'est terminé Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies, là également, s'est terminé, etc. Quatrièmement, personne n'applaudit un coup d'État. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours. Donc, ayons la lucidité de combattre les vraies causes en restant exigeants sur le respect des règles démocratiques et de la bonne gouvernance. Cinquièmement, les peuples africains ne sont pas opposés au peuple français, mais c'est plutôt la politique française, pleine de condescendance, qui est rejetée. En effet, la France en refusant le rapatriement de son ambassadeur récusé au Niger est une violation du droit international, notamment l'article 9 a. à Appelons un 1 et 2 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. En décidant de l'interdiction des artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger en France, c'est une méconnaissance très grave de la portée culturelle en tant que moteur d'équilibre familial, communautaire, voire national. L'artiste est un médecin du psychique, même à distance. En déclarant qu'ils ne veulent pas de chômeurs, de migrants, de voleurs, etc. en France, nous en Afrique en général, et au Sahel en particulier, ce sont les producteurs de chômeurs et de voleurs, via le piège cynique de nos ressources, que nous ne voulons pas. Mais sincère reconnaissance au peuple du monde, à l'ensemble des personnalités à tous les niveaux dans le monde qui comprennent et accompagnent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans cette montée certes difficile, mais s'adhère totale sur le chemin de la pleine émancipation, l'expression de la dignité, de l'honneur, de la liberté, de l'égalité, de la prospérité, de la justice et donc de la paix. Face à la situation que traverse le Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a mis en œuvre des actions vigoureuses à travers l'adoption d'un nouveau plan de développement, le plan d'action pour la stabilisation et le développement et ses quatre axes prioritaires qui sont premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Deuxièmement, la réponse à la crise humanitaire. Troisièmement, la réponse de l'État à l'amélioration de la gouvernance. Et pour terminer le, le dernier élément, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ces efforts visent à offrir à la population burkinabé de meilleures conditions de vie. Tout en saluant l'ensemble des partenaires à travers le monde qui nous accompagnent. Nous invitons vivement ceux qui sont toujours dans le doute ou tétanisés par des rapports au contenu faux, qu'ils sont les bienvenus au Burkina Faso, à condition que mmh. le partenariat cadre avec la vision de la transition résumée dans ces quatre axes. Très bien. Vive l'ONU, vive la 78e session, vive les peuples en lutte, vive la solidarité de, entre les peuples, vive l'Afrique libre. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci, Merci en Pile, Voilà, justement, c'était le représentant et, 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 Burkina Faso hein, qui te prend la parole sur la tribune des Nations Unies et qui est extrêmement important. Qui dit son discours, et qui, non, non seulement bourré avec émotion, mais son discours misclé. Ok E sa mba mba, pa gen yon koherans la, pa gen espase vide la, ou ki te pou mbe person la vini. Non, pa yon jwet la, se kompren? Sa mbi di ke, se pa, se pa mba de pot bata ki gen la, son vre komba ki gen la nan mouman. E non deside asumi responsabili ten pou ke kombasa li fet, jan ke li fet la. Mwen tenan, sa mka di nou, an nou pren responsabili ten nou konm pep. An nou suspande plenye, an nou suspande mash avèk bol blè, an suspann e fè moun ransa avè nou, mè pa konsekant, pou kande stè nan mè. Haiti, se sol Haitien kapab souve, Haiti. Mèsi an pil tout moun, Kembe la balage, se toujoun plezi pou nasan avè ou. Radevou kase pou lant edisyon, Kembe la.